Coucou. Le dimanche 14 novembre 2021, à 11h58, la police d'un campus universitaire en Idaho, États-Unis, reçoit un appel qui s'apprête à catapulter la petite ville de Moscow en première page des médias américains. La personne au bout du fil parle de massacre de corps sans vie au sein d'une petite colocation d'étudiantes. C'est le début d'une traque et d'une affaire criminelle qui réveille au sein des campus universitaires américains le spectre d'un nouveau Ted Bundy qui erre sur le campus. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi ne pas vous préparer un bon petit plat grâce à HelloFresh qui aujourd'hui vous propose une superbe offre pour ceux ne l'ayant jamais essayé, mais également pour les anciens clients. C'est le mois de janvier, le fameux mois des résolutions pour manger plus sainement. Ça tombe bien, c'est ce qu'HelloFresh propose. Sélectionnez 5 recettes parmi 21 disponibles qui changent toutes les semaines et gagnez du temps dans votre vie. Préparez vos repas sans stress en suivant les fiches recettes et en utilisant les ingrédients frais livrés par HelloFresh. Il y en a pour tous les goûts, faites vos menus sur mesure, légumes gourmands, recettes calories smart, végétariennes, flexitariennes, toujours avec un Nutri-Score A ou B. Et quel plaisir chaque soir de suivre simplement la fiche recette, puis de manger sans avoir passé 2 heures en cuisine. Alors n'hésitez plus et utilisez mon code REFRESHMAXGUYS en passant par le lien en description qui vous offre jusqu'à 85€ de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh qui fonctionnent donc pour les nouveaux clients et pour ceux ayant été clients et pour une quelconque raison qui ont par la suite annulé leur abonnement qui est bien évidemment sans engagement. Bref, le lien et le code sont en description. Salut à tous et à toutes, MaxGuys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire du quadruple meurtre de l'Idaho. Une affaire très récente puisqu'elle débute en novembre 2022 et vous allez rapidement comprendre pourquoi je vous parle justement de cette affaire rapidement puisqu'elle m'a fasciné. On parle d'une colocation d'étudiants de 6 personnes dans laquelle, en une nuit, 4 personnes sont poignardées et retrouvées le lendemain midi, sans vie. Problème, il n'y a aucune trace d'effraction dans la coloc et les 2 seules étudiantes survivantes disent avoir entendu des choses étranges pendant la nuit. Et pourtant, elles ne préviennent les secours que 8 heures après le quadruple meurtre. Mais commencez pas à les suspecter si rapidement parce que vous allez être surpris. J'ai attendu exprès plusieurs mois pour traiter l'affaire histoire d'avoir un maximum d'informations et de ne pas parler d'un cold case pour vous dire à la fin « voilà, on n'en sait pas plus ». Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous regardez les HVF tous les vendredis soirs à 18h, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Une découverte macabre. Notre histoire prend place aujourd'hui à Moscou, non pas en Russie comme j'ai pu le croire en voyant les premiers articles sur l'affaire, mais en Idaho, États-Unis d'Amérique. Moscou, c'est une petite ville universitaire d'environ 20 000 habitants avec ses bars, ses food trucks, ses boîtes, bref une ville où les jeunes peuvent étudier et s'amuser. La plupart vivent dans les dortoirs prévus par le campus et d'autres ont choisi de vivre dans des colocations. Ça permet généralement d'avoir une belle maison avec des chambres sympas et un grand espace de vie. La coloc qui nous intéresse dans notre affaire, c'est celle-ci, au 1122 King Road. Petite rue à l'écart des lieux de vie de la ville, mais pas non plus au milieu de nulle part. Il y a du voisinage, du vis-à-vis, la maison n'est pas paumée au milieu d'une forêt. C'est ici que vit un groupe de 6 étudiants. Madison Mogan, Xana Kernold et son petit ami Ethan Chapin, Kaylee Goncalves, Dylan Mortensen et Bethany Funky. Tous sont âgés de 20 à 21 ans et forment un groupe soudé d'étudiants qui s'entendent très bien, d'après ce qui est ressorti dans les médias. La plupart des filles font partie de sororités et sortent régulièrement pour profiter de leur vie étudiante loin de papa et maman. On voit par exemple sur cette vidéo, Kaylee Goncalves et Madison Mogan en train de commander un food truck.
quelques heures avant le quadruple meurtre. Mais on reviendra bien évidemment sur toute la nuit après la découverte des faits. Il est 11h58 lorsque les agents de la ville reçoivent un appel. Au bout du fil, Dylan Mortensen et Bethany Funky indiquent que leurs colocataires ne semblent pas se réveiller, qu'ils sont inconscients et qu'ils ont besoin d'aide. Une patrouille est envoyée sur place, les informations données dans l'appel ne sont pas vraiment claires et les agents de la petite ville universitaire pensent peut-être à un trop-plein d'alcool, un lavage d'estomac et ce sera réglé. Sauf qu'en arrivant sur King Road, devant la colocation et en voyant le visage transparent de Mortensen et Bethany, ils comprennent que quelque chose se passe. Les agents montent alors au deuxième étage de la maison, toquent à la première porte de chambre et entrent. Xana et Ethan sont ensemble dans un lit gorgé de sang, des blessures d'armes blanches sur le corps et au niveau du cou. Les agents appellent des renforts. Double homicide. En haut d'un autre escalier se trouve une chambre au dernier étage de la coloc. De nouveau, les agents s'annoncent et entrent. Kaylee et Madison sont elles aussi ensemble dans la même chambre, sans vie, poignardées à mort. Quadruple homicide. L'affaire des meurtres de l'Idaho débute, le quartier est bouclé. En ville, il n'y a pas eu de meurtre depuis 7 ans et les enquêteurs qui prennent l'affaire en charge le savent. On parle de 4 étudiants attaqués en pleine nuit dans leur coloc. Les semaines qui suivent vont être difficiles à gérer. Un premier communiqué est publié dans les heures qui suivent par les autorités. Le 13 novembre 2022, à 11h58, des agents du département de la police de Moscou ont répondu à un appel sur King Road pour un individu inconscient. À leur arrivée, les agents ont découvert 4 personnes décédées. Les décès ont été qualifiés d'homicides. Bien qu'aucune arme n'ait été localisée, sur la base d'informations préliminaires, les enquêteurs pensent qu'une arme blanche, telle qu'un couteau, a été utilisée. Les autopsies devraient être terminées plus tard cette semaine et fourniront, espérons-le, des informations plus définitives sur les causes exactes du décès. De plus, sur la base des informations de l'enquête préliminaire, les enquêteurs pensent qu'il s'agissait d'une attaque ciblée et isolée et qu'il n'y a pas de menace imminente pour la communauté dans son ensemble. Les enquêteurs continuent de travailler avec diligence pour établir une chronologie des événements pertinents afin de recréer les activités des victimes le soir du 12 novembre et tôt le matin du 13 novembre en suivant toutes les pistes et en identifiant les personnes d'intérêt. L'affaire se répand rapidement à travers la ville, l'État, puis le pays. Les victimes étaient actives sur les réseaux sociaux qui font leur œuvre. La sœur de Kelly, Aubrey, publie un communiqué sous le choc dont je ne vais pas vous lire l'intégralité, mais dans lequel elle défend sa sœur et ses amis, disant qu'ils n'avaient pas de problème, pas de soucis de drogue ou d'alcool, et qu'ils ne sont en rien responsables de tout ce qu'il vient de se passer. Ils n'ont rien fait de mal et ils ont pris toutes les précautions qu'ils auraient dû prendre. Ils ont quand même été tués. Aux étudiants de l'université de l'Idaho qui séjournent encore sur le campus, partez. Vos notes sont nettement moins importantes que vos vies. Je souhaite à tous les étudiants de l'université d'Idaho la sécurité et la paix. Vous n'êtes pas en sécurité tant que ce malade n'est pas retrouvé. Si la personne qui a fait ça est capable de tuer 4 personnes innocentes, elle est capable d'en tuer plus. Et aux 4 victimes, Kaylee, Maddie, Xana et Ethan, je suis peut-être jeune, mais je promets à chacun d'entre vous que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à trouver et mettre votre meurtrier en prison pour qu'il pourrisse pour le reste de sa vie. Et dès le début, l'enquête est compliquée. Celui qui a fait ça a fait preuve d'un sang-froid terrifiant et c'est pour ça que le spectre d'un nouveau Ted Bundy, tueur d'étudiantes, plonge la petite ville dans la terreur. Aucun signe d'effraction n'est révélé dans la maison. La scène de crime n'est pas un carnage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu de lutte à travers la coloc. Le tueur est entré, on ne sait comment pour l'instant, s'est dirigé dans les 2 chambres, a frappé, puis est reparti. D'après les enquêteurs, certaines victimes ont des marques défensives sur les avant-bras, mais dans ce genre d'affaires, il n'y a pas beaucoup d'analyses à faire justement sur ça, puisque si vous vous prenez un coup de couteau en pleine nuit, vous allez certainement vous réveiller assez surpris à cause de la douleur et vous allez essayer de vous défendre ou du moins de comprendre ce qu'il se passe, histoire de mourir avec honneur avant de vous prendre le coup fatal. En l'absence d'armes du crime trouvées sur les lieux, les enquêteurs vont fouiller les poubelles et bennes des magasins du coin, appelant
tout témoin à fournir des informations. On trouve quand même dans la maison deux éléments importants. Une trace de chaussure qui peut correspondre à des Vans et un étui à couteau à droite du lit de Madison Mogen sur lequel est retrouvé de l'ADN masculin. Le tueur l'a sûrement fait tomber en sortant son arme. Une voisine viendra témoigner avec l'enregistrement audio de sa caméra de maison qui a capté un son déformé à 4h17 du matin ressemblant à un gémissement de douleur, suivi d'un bruit sourd et d'un chien qui grogne, puisque dans la coloc, il y avait un petit chien qui a d'ailleurs été épargné. Pour trouver un potentiel coupable, les enquêteurs vont alors se concentrer sur ce qu'il se passe avant l'attaque, puisque le soir et la nuit du meurtre, les étudiants sont sortis et les deux survivantes ont entendu et vu des choses étranges à l'intérieur de la colocation. Bon, ça les a pas inquiétés plus que ça, puisqu'elles appellent les secours le lendemain midi. Pourtant, quand tu croises un type chez toi en pleine nuit, habillé tout de noir avec un masque sur la tête, c'est quand même censé te faire flipper. On y vient. La nuit du drame. Le premier signe de vie des victimes en ce samedi 12 novembre, quelques heures avant la nuit des faits, se trouve sur l'Instagram de Kaylee, qui publie plusieurs photos avec comme légende une fille chanceuse d'être entourée de ces personnes tous les jours. On y voit toute la coloc réunie, dont les deux survivantes, Dylan Mortensen et Bethany Funky. Ce jour-là, il se passe pas grand-chose au 1122 King Road. C'est samedi et tous sont prévus de sortir ce soir. Kaylee et Madison passent la soirée ensemble dans un bar du centre-ville à boire quelques verres et faire diverses rencontres. Les deux étudiantes sont très proches l'une de l'autre et se présentent même comme des sœurs. Elles ont grandi ensemble dans le nord de l'Idaho, ont fait les mêmes écoles et avaient comme rêve d'intégrer la même université. Tout leur réussit jusque-là. Le soir de l'attaque, elles sont filmées en vie en train de commander un food truck, le Grub Truckers. Rien de suspect n'apparaît sur la vidéo, les filles s'approchent du comptoir, commandent, y a personne de louche autour, et d'ailleurs les filles ne semblent pas se mélanger avec d'autres étudiants. Elles restent entre elles et font sûrement quelques vidéos pour leur groupe d'amis avant de repartir. Toutes les personnes de la vidéo vont être identifiées et innocentées. Il est 1h56 lorsque Kaylee et Madison décident de rentrer à la coloc. Les deux étudiantes rentrent quasiment en même temps que Xana et son petit ami Ethan, qui, quant à eux, ont passé la soirée dans la fraternité d'Ethan, la Sigma Chi. À 2h du matin, la coloc est au complète. Madison, Xana, Ethan, Kaylee sont rentrés. Dylan Mortensen et Bethany Funky, quant à elles, ne sont pas sortis ce soir-là et sont dans leurs chambres respectives, l'une au rez-de-chaussée et l'autre au premier étage. À 2h53, une Hyundai Elantra blanche est repérée par des caméras dans les alentours. À 3h29, la voiture est de nouveau filmée, cette fois en train de faire trois passages devant la maison. 4h du matin, l'attaque approche. Xana commande de la nourriture sur l'application DoorDash au restaurant Jack in the Box. Elle est livrée rapidement. 4 minutes plus tard, la Hyundai blanche est de nouveau vue dans le coin. Le massacre débute. Comment le tueur entre? Personne n'en sait rien. Je rappelle qu'on ne retrouve pas de traces d'effraction, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui me choque. Quand on regarde les photos de l'arrière de la maison, on voit qu'il y a pas mal de fenêtres et un balcon que l'on peut facilement escalader. Tout le monde rentrait de soirée, quelqu'un a pu ouvrir ou mal refermer une fenêtre, et le tueur est passé par là. C'est Dylan Mortensen, qui dort au deuxième étage de la maison, qui va entendre du bruit. Alors qu'elle est dans sa chambre, elle entend des sons étranges dans la chambre voisine, celle de Xana et Ethan, qui est quasiment en face de la sienne, comme des bruits de coups rapides, puis un gémissement qui semble mélangé à des larmes. C'est à ce moment-là qu'elle entend une voix disant « Ça va aller, t'inquiète ». Mortensen ouvre sa porte pour regarder ce qu'il se passe et tombe alors nez à nez avec un homme qu'elle décrit habillé tout de noir, un masque sur le visage, mais laissant apparaître ce qu'elle décrit comme des sourcils touffus. Mortensen dira que l'homme était de taille moyenne, environ 1m80, pas vraiment musclé mais athlétique. En voyant l'intrus dans la maison, l'étudiante est prise d'une paralysie glaciale, comme elle le dit elle-même. Elle recule d'un pas, s'enferme dans sa chambre et n'appelle pas le 911. Mortensen, cette nuit-là, alors qu'elle croise le tueur dans la colocation, ne dit rien. Elle s'enferme et n'envoie même pas de message à ses amis pour savoir si tout va bien. Pour une mystérieuse raison, elle survivra à l'attaque. L'homme croisé ce soir-là décidera de ne
pas l'attaquer, tout comme son autre colocataire survivante, Bethany Funky, qui est dans la chambre du rez-de-chaussée. Alors, bien sûr que Dylan Mortensen et Bethany Funky vont être suspectés. Et encore heureux, on est sur un meurtre à huis clos dans lequel 4 personnes perdent la vie et dans lequel l'une des survivantes dit être tombée nez à nez avec le tueur en pleine nuit, alors qu'elle n'appelle les secours que 8 heures après les faits à midi le lendemain. Ce qui donne quand même un sacré laps de temps pour nettoyer tous les indices. Sauf que dans la maison, rien ne relie Mortensen et Bethany au crime. Par exemple, aucune machine à laver n'a tourné si les étudiantes avaient comploté contre leurs amis. Les vêtements qu'elles portaient ce soir-là auraient été tachés de sang. Elles auraient dû laver les vêtements, ce qui n'est pas le cas, ou s'en débarrasser. Sauf qu'on ne retrouve rien dans les alentours de la coloc et les caméras qui filment les diverses rues n'ont aucune trace de Mortensen et Bethany qui pourraient être vus en train de jeter leurs vêtements dans des bennes aux alentours. Pendant que l'enquête avance difficilement, les étudiantes se barricadent et fuient carrément leur logement en profitant de l'arrivée des vacances de Noël pour sécher le peu de cours qu'il reste et retourner en sécurité au sein de leur famille. Mais alors, si les survivantes n'ont rien à voir là-dedans, une seconde piste apparaît rapidement. On est sur une colocation majoritairement féminine et le soir du massacre, un peu alcoolisée, Kaylee et Madison se sont amusées à appeler 7 fois l'ex de Kaylee, Jack Ducœur, qui était sorti avec l'étudiante pendant 5 ans et dont la rupture a été officialisée il y a 3 semaines. Je vous laisse imaginer l'ouragan médiatique et judiciaire que s'est pris le gars de 22 ans en étant affiché dans tous les médias américains comme le principal suspect, ancien petit ami d'une des victimes qui a certainement pété un plomb et qui a décidé d'attaquer la coloc en pleine nuit. Moins d'un mois après les faits, Jack devient le principal suspect dans l'affaire. Tout le monde parle de la haine qu'il a pu ressentir suite à la rupture. Il connaissait la coloc, les entrées, les sorties, l'intérieur de la maison. Il a très bien pu commettre l'attaque sans se faire voir. Oui, bon, alors ok, la description que fait Mortensen du tueur ne lui correspond pas vraiment, rien qu'au niveau des sourcils touffus qu'elle a vus. Mais bon, c'est un détail ça, hein. Ça empêche pas les médias de faire des dizaines d'articles avec les photos du couple. Jack va bien tenter de se défendre, disant que la rupture était à l'amiable et que le couple pensait même se remettre ensemble. Puisque bah, pour lui, Kaylee était l'amour de sa vie et jamais il n'aurait pu lui faire ça. Finalement, son alibi sera vérifié et l'ex-petit ami de Kaylee sera innocenté. La piste du harceleur va également être étudiée. Voilà, les étudiantes étaient jeunes et jolies. On peut se dire qu'Ethan était une victime collatérale dans le tas et que le type qui a attaqué la coloc a sûrement traqué ses victimes, s'est monté la tête, puis est entré et a pété un plomb. Les enquêteurs vont d'ailleurs communiquer sur cette piste du harceleur. À l'aide de conseils et de pistes, les enquêteurs ont identifié un incident impliquant Kaylee dans une entreprise locale dont elle avait parlé à ses amis et sa famille. À la mi-octobre, 2 hommes ont été aperçus dans une entreprise locale. Ils se sont séparés et un homme a semblé suivre Kaylee à l'intérieur de l'entreprise. Et alors qu'elle sortait pour se diriger vers sa voiture, l'homme s'est détourné et il ne semble pas avoir eu de contact avec elle. Les détectives ont contacté les 2 hommes et ont appris qu'ils tentaient de rencontrer des femmes dans l'entreprise. Ce qui a été corroboré par une enquête supplémentaire. Sur la base des informations disponibles, les détectives pensent qu'il s'agissait d'un incident isolé et non d'un schéma continu de harcèlement. Aucune preuve ne suggère que les 2 hommes étaient impliqués dans les meurtres. Le 2 décembre, date de l'enterrement des 4 victimes, Mortensen et Bethany ont diffusé une lettre pour rendre hommage à leur ami assassiné. La première a écrit que Xana faisait de sa vie une fête, qu'elle était forte, intelligente, travailleuse et une belle personne, que son petit ami Ethan était doux et aimant et aussi comme un grand frère pour elle. En parlant de Maddie et Kaylee, Dylan a appelé le couple le duo inséparable, écrivant qu'ils étaient comme des deuxièmes mamans pour elle. Mortensen termine sa lettre en disant « Ma vie a été grandement impactée. Je sais que ce sera difficile de ne pas les avoir tous les 4 dans nos vies, mais je sais que Xana, Ethan, Maddie et Kaylee voudraient que nous vivions et soyons heureux, et ils voudraient que nous célébrions leur vie. » Bethany Funky, l'autre colocataire survivante, a écrit que Kaylee était l'une des personnes les plus drôles qu'elle ait jamais connues et l'a décrite comme douce, généreuse et déterminée. Elle a dit qu'Ethan avait la personnalité la plus brillante et la plus amusante, que Xana était aimante, amusante, énergétique, drôle, passionnée et que leur relation a fait croire aux gens au véritable amour. Des milliers de personnes ont veillé près de l'université pour rendre un dernier hommage à Madison, Xana, Ethan et Kaylee. Et puis, les jours
jours vont se mettre à passer. La maison va être bouclée, mise sous surveillance. L'enquête va rebondir au milieu du mois de décembre lorsqu'une Hyundai Elantra blanche va être découverte accidentée dans l'état voisin. Toute la presse américaine va s'exciter sur le véhicule en le prenant en photo et en publiant des centaines d'articles supposant que le tueur avait abandonné sa voiture après l'avoir crashé sur le bord de route, comme s'il n'existait pas des dizaines de milliers de propriétaires de Hyundai aux États-Unis. Et d'ailleurs, les enquêteurs, après vérification, déclareront que non, laissez-nous tranquille, cette voiture retrouvée dans l'Oregon n'a rien à voir avec le quadruple meurtre. J'avoue que je fais le malin en disant que des Hyundai et Elantra blanches, il y en a des milliers aux États-Unis, mais quand les articles ont commencé à sortir, j'ai passé une bonne partie de la nuit à regarder justement si cette voiture allait être reliée au meurtre, pour actualiser le script de cet HVF. Bref, les enquêteurs vont se faire discrets puisque depuis quelques jours, ils ont déjà un nouveau suspect. La plaque du véhicule qui traînait dans les alentours le soir du meurtre a pu être lue grâce aux techniques du FBI et elle appartient à un étudiant en criminologie nommé Brian Koberger. Un étudiant criminel? Brian Koberger, 28 ans, n'a à première vue pas un profil vraiment inquiétant, même si son nom apparaît aujourd'hui comme le principal suspect dans l'affaire. C'est pas pour rien, je me suis pas embêté à faire sa biographie complète pour parler dans le vent. Âgé de 28 ans, Koberger est en train de terminer son doctorat en criminologie à l'université. Titulaire d'une maîtrise en justice pénale, il a postulé au début du mois de septembre 2022 pour réaliser un stage au département de police de Pullman, là où il vit chez ses parents, à environ 15 minutes de route de Moscou. Comme je vous le disais, Koberger a pas un profil vraiment inquiétant. Il a deux sœurs, une famille soudée, et la seule chose que l'on retrouve le concernant, c'est qu'il a été victime d'intimidation à cause de son poids lorsqu'il était petit. Et pour faire face à ce harcèlement, il se battait régulièrement. Au lycée et dans ses débuts à l'université, il a beaucoup maigri, ce qui lui a fait gagner confiance en lui, au point d'être assez arrogant d'après ses anciens camarades. Koberger donne également des cours de criminologie de temps en temps en tant que prof remplaçant. Au moment de l'attaque, il a d'ailleurs laissé ses étudiants plus jeunes que lui donner leur avis sur toute cette affaire. Dernièrement, Koberger avait publié un questionnaire en vue de ses études en criminologie pour interroger des condamnés pour savoir, je cite, « en quoi les émotions et les traits psychologiques influent la prise de décision lors de la préparation d'un crime ». Il écrit « Je m'appelle Brian et je vous invite à participer à un projet de recherche qui vise à comprendre comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors de la préparation d'un crime. En particulier, cette étude vise à comprendre l'histoire derrière votre infraction pénale la plus récente, en mettant l'accent sur vos pensées et vos sentiments tout au long de votre expérience. » Lorsque les participants ont cliqué sur le questionnaire pour le remplir, ils ont été confrontés à ces questions. Après avoir commis le crime, que pensiez-vous et que ressentiez-vous? Comment avez-vous quitté la scène? Avant de partir, y a-t-il autre chose dont vous discutiez? Comment avez-vous atteint votre objectif? Veuillez expliquer ce que vous pensiez et ressentiez. Quelle a été la première démarche que vous avez faite pour atteindre votre objectif? Avant de bouger, comment avez-vous abordé la victime ou la cible? Pourquoi avez-vous choisi cette victime ou cette cible plutôt que d'autres? Après votre arrivée, quelles mesures avez-vous prises avant de localiser la victime ou la cible? Bon, alors là par contre, on dirait quand même vachement un questionnaire sur comment préparer et réussir son crime plutôt qu'une étude. On croirait voir Ted Bundy qui classait les rapports de police et qui en profitait pour les lire, histoire de réussir plus tard à commettre le crime parfait. Si vous n'avez pas la ref, j'ai fait deux HVF complètes illustrées sur Ted Bundy, elles sont en haut à droite, vous allez tout apprendre sur le personnage. Lorsque les enquêteurs découvrent que la Hyundai Elantra qui a été filmée près de la colocation la nuit du meurtre appartient à Koberger, ils vont se concentrer sur le bornage de son téléphone portable pour voir ce qu'il a fait cette nuit-là. Peut-être que l'étudiant a juste des amis dans le coin et qu'il vient régulièrement ici. En recevant la liste indiquant la géolocalisation du téléphone sur les différents mois, les enquêteurs comprennent qu'ils sont sur une piste. Le téléphone de Koberger a borné 12 fois entre le mois de juin et le jour où les 4 étudiantes ont été tuées près de la colocation. Mais c'est pas ça qui inquiète les autorités. Ce qui est curieux, c'est que le soir de l'attaque, Koberger quitte sa résidence à Pullman, arrive à Moscou et coupe son téléphone à 2h47. Il le passe en mode avion. Sa voiture est ensuite vue 4 fois en train de passer devant la colocation. À
4h48. Le téléphone est reconnecté au réseau. D'après les coordonnées à ce moment-là, Koberger se trouve sur l'autoroute qui mène à Pullman. Il est en train de quitter Moscou. Dans 8 heures, l'alerte sera donnée. Et que fait notre Koberger pendant ce temps? Eh bien, il nettoie sa voiture. Aspirateur, produits ménagers, désinfectants, tout y passe. À 9 heures, il repasse devant la maison de King Road comme pour vérifier pourquoi personne n'a encore donné l'alerte. Dans les jours qui suivent la découverte de l'attaque, il revient rôder un petit peu près de la colocation. Koberger est vu dans différents magasins en train de commander à manger, équipé de gants. Comme s'il était devenu parano à l'idée que quelqu'un puisse vouloir son ADN et ses empreintes. Il est vu par des voisins en train de jeter les sacs poubelles de sa maison familiale, ben dans les poubelles du voisinage, sûrement pour que personne ne puisse prélever une fois de plus son ADN. Il existe une vidéo prise le 15 décembre montrant Koberger et son père en train de se soumettre à un contrôle de police. Bon, y a rien de spécial, mais franchement, s'il est bien le coupable du quadruple meurtre, à ce moment précis, là, voilà, quand il regarde la caméra, je pense qu'il a dû se prendre un sacré coup de pression, surtout qu'il est à bord de sa Hyundai blanche, la même vue dans les alentours de la coloc au moment des faits. Mais à ce moment-là, l'agent qui contrôle n'en sait rien et ne fait de toute façon pas le rapprochement, puisqu'on ne lui a pas communiqué la plaque du véhicule recherché. Ok, notre Brian Koberger, eh bien, il y a des preuves circonstancielles qui peuvent le relier au crime. Mais est-ce que son ADN match avec, par exemple, l'étui à couteau qu'on a retrouvé sur la scène de crime? Ce serait quand même une sacrée avancée. Le 27 décembre, les enquêteurs décident de fouiller les poubelles de la famille Koberger pour récupérer de l'ADN. Sur les emballages, ils trouvent celui du père. Et grâce à la technologie actuelle, ça suffit amplement pour savoir si l'ADN retrouvé sur la scène de crime a quelque chose à voir avec la famille Koberger. Et ça match. L'ADN indique un lien père enfant, ce qui veut dire que la preuve scientifique retrouvée sur l'étui à couteau correspond à l'un des enfants du père Koberger. Le 30 décembre, à 3h du matin, la maison de la famille est assiégée par le SWAT. Sorti de son sommeil et placé en état d'arrestation, Brian Koberger semble surpris et dit même ne pas comprendre ce qu'il se passe. Il promet à ses parents que c'est un malentendu, qu'il sera de retour dans quelques heures. Franchement, j'espère bien pour lui que c'est un malentendu, parce que faire un doctorat en criminologie pour commettre un quadruple meurtre pour lequel on va sur la scène de crime avec sa propre voiture et son téléphone, qu'on prend le soin d'éteindre avant l'attaque et qu'on rallume en quittant les lieux, c'est pas super malin, le type va pas faire carrière. La première hypothèse qui m'est venue en tête au moment où Brian Koberger a été arrêté, c'est bien sûr celle d'un tueur en série qui avait peut-être déjà sévi. Alors attention, le procès n'a pas encore eu lieu, mais vu les preuves, j'ose un petit peu m'avancer. Commencer sa carrière de tueur en série, si on peut appeler ça comme ça, par un quadruple meurtre, c'est pas quelque chose d'anodin. Pourquoi s'attaquer à une coloc de 6 personnes quand même pour un premier crime? Certains ont été tentés de relier Koberger à d'autres faits qui ont eu lieu ces dernières années. On a réouvert des cold cases, mais l'ADN ne matche pas pour l'instant. Je pense que Koberger fait partie de ces psychopathes qui se montent la tête pendant des années et des années. On a le profil typique avec lui. Étudiant, doctorant en criminologie, le type donne des cours, s'y connaît, la géolocalisation de son téléphone prouve qu'il a traîné plusieurs fois dans les alentours de la coloc. Il a préparé son crime, il a traqué Madison, Xana, Ethan, Kylie, sans que personne ne le remarque. Et le soir de l'attaque, au moment où il se décide de répondre à sa pulsion meurtrière, il est tellement sûr de lui qu'il prend son téléphone, prend sa propre voiture et finit même par oublier son étui à couteau. Au moment où je termine d'écrire cet HVF, Brian Koberger se dit innocent. Il est prêt à subir la justice de l'état d'Idaho pour se défendre convenablement et prouver qu'il n'a rien à voir dans cette horrible histoire. Il est persuadé de s'en sortir et ses avocats ont décidé d'imposer un silence général pour qu'aucune information ne concernant le personnage ne sorte. Silence que la juge Megan Marshall a accepté en publiant une ordonnance de non-diffusion interdisant aux enquêteurs, avocats et médias de communiquer à propos de l'affaire. Koberger a pu être arrêté grâce à l'incroyable technologie dont on dispose aujourd'hui, mais son profil mental reste à analyser car il fait partie de ces tueurs qui pour moi sont les plus dangereux, qui, dès qu'ils décident de répondre à leur première pulsion, ne s'arrêtent pas et sont capables de commettre de véritables massacres au fil des années. Regardez à l'époque BTK, Ted Bundy, Ed Kemper, tous ces tueurs avaient une seule chose de leur côté, l'époque et le manque de technologie.
Malgré tout, si de nouvelles informations sortent concernant Brian Koberger, je ne manquerai pas de vous en informer sur Twitter et Instagram. En attendant, c'est ainsi que se termine cet HVF sur l'affaire dite du quadruple meurtre de l'État d'Idaho. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout, mettez colocation en commentaire. N'hésitez pas à me dire vos hypothèses concernant Brian. Le pensez-vous coupable, non coupable? Comment pensez-vous qu'il a pu préparer le crime? Comme je vous le disais, personnellement, je pense honnêtement qu'il s'est monté la tête, qu'il a traqué les victimes et, en fait, une fois à l'intérieur de la coloc, il s'est laissé aller. Il avait peut-être en tête d'attaquer une seule étudiante, mais en voyant que tout le monde dormait et que personne ne réagissait vraiment, il y a été autant que possible et il est reparti. Bref, on débat tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos hypothèses. J'ai hâte vraiment de lire tous vos avis sur cette affaire qui, j'espère, vous a plu. Hein, malgré l'affaire, c'est une affaire récente, mais que j'avais envie de traiter parce qu'on a déjà beaucoup d'informations la concernant. Et qui sait, peut-être que je serai amené à en faire une partie 2 dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Bref, c'est MaxKai, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on se retrouve sur Twitter et Instagram, et puis,